Papageur Productions est une structure fondée par un seul jeune cinéaste, après sa formation a décidé de créer une structure de cinématographique dans la région de l'Ouest. Papageur Pro, comme vous le constatez, porte la première nom de membre fondateur. Une association audiovisuelle, projet télévision et cinéma. Deux règlements intérieurs de l'association. Papageur Pro. Avant d'adhérer à l'association, vous devez prendre connaissance du règlement intérieur voté et adopté par l'association Papageur Pro fondée 2014. 1. Article 1 moins titre. Il est fondé entre les adhérents au présent statut, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1904 22, ayant pour titre Papageur Pro. 1. Article 2 moins but et objectif. 2. L'association Papageur Productions a pour but de pratiquer toutes les activités cinématographiques, musicales, numériques, graphiques à l'ouest du pays, se rapportant à la création. 3. Mon objectif est notamment 4. La réalisation audiovisuelle, télévision, cinéma et son. 5. Court, moyen, long métrage, documentaire, clip, publicité, bande-annonce, bandes originales, mixage, mastering. 6. L'écriture de scénario. 7. Storyboarding, storytelling. 8. Motion design. 9. Photographie. 10. Montage. 11. Élaboration d'effets visuels et spéciaux, VFX. 12. Chroma keying. 13. Track motion. 14. Formation et entraide sur les métiers du cinéma. 15. Toutes les missions de tournage. 17. Article 3. Siège social. 18. Il pourra être transféré par simple décision des membres fondateurs de l'association. 19. Article 4. Composition. 20. L'association se compose, un scénariste, réalisateur, directeur, photo, metteur en scène, monteur. 21. 22. Article 5. Admission. 23. Pour intégrer l'association, il faut être présenté au président, ou en cas d'absence de celui-ci, à l'un des membres fondateurs. Le conseil 23. Pour intégrer l'association, il faut être présenté au président, ou en cas d'absence de celui-ci, à l'un des membres fondateurs. Le conseil statue ensuite un ultin d'adhésion. 24. Le président de l'association possède un vote prépondérant en cas d'égalité parfaite des membres présents et se réserve la décision finale pour la majorité lors de chacune de ses réunions sur les demandes d'admission présentées. Les personnes désirant adhérer doivent remplir un BL' acceptation des demandes d'adhésion. 25. Article 6. Radiation. 26. La qualité d'un membre se perd par 27. La démission. 28. Le décès. 29. L'exclusion prononcée par le président de l'association. 30. La démission doit être adressée au président de l'association. 31. L'exclusion d'un membre peut être prononcée par le président, pour motif grave. 32. Sont notamment réputés constituer des motifs graves. 33. La non-participation répétée aux activités de l'association. 34. Une condamnation pénale pour crime et délit. 35. Toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités de l'association ou à sa réputation. 36. La divulgation d'informations ou autres documentations sur les projets de l'association. 37. Article 7. Ressources. 38. Les ressources de l'association comprennent. 39. Le montant des droits d'entrée et des cotisations. 40. Les subventions de l'État, des départements et des communes. 41. 42. L'autofinancement des membres. 43. 44. Vente de ses productions et de ses prestations. 45. 46. Don de particuliers / sponsor / investisseur. 47. 48. L'association accepte les cotisations, les dons d'entreprise, en général, toute entreprise ayant un lien avec le secteur audiovisuel, la production et la diffusion de œuvres. 2. 3. Article 8. Conseil d'administration, élu par l'Assemblée des membres. 5. 6. Article 9. Participation aux activités de l'association. Toute personne participant à un événement ou une activité de l'association, qu'il soit simple spectateur, figurant, acteur, technicien, etc.,
devra signer un contrat de tournage autorisant l'association Papageur Productions à user de leur image gratuitement pour toute la durée du tournage, ainsi que pour la promotion des œuvres. 7. 8. Article 10 Financement des événements et projets. 9. Si l'association organise un événement ou souhaite financer un projet, elle peut solliciter tous les modes de financement légaux, parmi lesquels 10. Subventions publiques et privées. 11. Partenariats publics et privés. 12. Vente des productions de l'association. 13. Vente des prestations de l'association. 14. L'autofinancement des membres. 15. Article 11. La copie, la duplication, la diffusion, le téléchargement via tout support numérique ou papier est formellement interdit, sauf autorisation préalable du président de l'association, tout droit réservé à l'association Papageur Productions. 16. Article 19. Modification du règlement intérieur. 17. Le présent règlement intérieur pourra être modifié par la décision de l'Assemblée de membres fondateurs de l'association Papageur Productions. 18. Après lecture du règlement intérieur de l'association, veillez ci-dessous à écrire la mention « Préconnaissance de dater », puis signer suivi de vos noms et prénoms en toutes lettres, afin de confirmer votre prise de connaissance de ce document. 19. Association Papageur Productions. Adresse 00225 58 20 36 86 04 28 26 98 ou le 33 00 01 81 Association audiovisuelle, projet télévision et cinéma. Article 1, objet. L'association dite Papageur Productions, fondée en 2014, régie par la loi du 1er juillet 1992, a pour but d'assurer dans l'intérêt de l'art et de l'histoire, la constitution ivoirienne des archives et du musée de la cinématographie et leur utilisation la plus complète, et à cet effet, spécialement, de à de grouper les différents possesseurs de films et personnes désireuses de défendre et de sauvegarder le répertoire cinématographique. B. De conserver tout film, tout document, photographie, article, revue, livre, manuscrit, journaux, programme, partition musicale, matériel de publicité, scénarii, textes imprimés, manuscrits ou dactylographiés, maquettes de décors, dessins, costumes, souvenirs, etc. Appareil, ayant trait à la cinématographie, et à elle, audiovisuel, qui serait confié en dépôt, prêté, ou qu'elle pourrait recueillir, acquérir, à titre gratuit ou onéreux aider, assurer le traitement du documentaire et technique. C. D'expérimenter des matériels nouveaux, visant à améliorer les conditions de traitement documentaire et technique des collections et de consultation de fonds. D. De réunir une documentation lui permettant de connaître et de cataloguer les œuvres cinématographiques réalisées des origines à nos jours, e. de déterminer les films qui n'auraient pas été conservés par des cinémathèques ou des firmes cinématographiques, et de rechercher en quelles mains ils se trouvent, f. de prévenir les risques de disparition des films en agissant auprès des pouvoirs publics, des membres de la profession cinématographique, et des particuliers susceptibles de s'intéresser à cette action, et au besoin en faisant tirer des contre-types ou copies desdits films. G. D'entreprendre toute action en Côte d'Ivoire et à l'étranger dans le but de protéger le patrimoine cinématographique. H. D'affirmer ses vocations européennes et internationales, notamment par la recherche d'échanges et de relations avec des organismes spécialisés, des chercheurs ou des étudiants étrangers, et par l'organisation de rencontres ou de colloques en relation avec son champ d'activité. L. D'assurer la diffusion au public, à des fins pédagogiques, scientifiques et professionnelles, par tout moyen, de ces documents et films, notamment par des projections organisées dans les locaux dont elle dispose habituellement ou dans ceux d'organismes partenaires, notamment autres cinémathèques, festivals, musées, universités, clubs, par l'organisation de rétrospectives composées, soit de films accessibles à la grande masse du public et destinés à l'intéresser au cinéma, soit de films, cet reportage en audio et visuel, fait par la journaliste Isabelle à la TV France 24. Merci et au revoir.